YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sauberry, pas n'importe laquelle, puisque ça y est, c'est la der des der, la dernière épisode de ce très long challenge d'une autre Sauberry. Ah, enfin, il va être fini, hein, ça va faire du bien à moi, à la chaîne, à tout. Adieu le Not Sauberry, à jamais le Not Sauberry, hein. C'était long, c'était 2 ans et demi de gameplay, de live, 130 épisodes, 130 lives à peu près, hein. Je ne sais plus à combien on est, c'était très long. Et c'est pas plus mal qu'on finisse enfin aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me dire que c'est vraiment le cas, donc j'ai hâte qu'on y soit. Voilà, j'ai hâte que dans 2 heures on dise adieu Not Sauberry et... Et à jamais, quoi. C'est... En tout cas, c'est quand même ça reste quand même un challenge très sympa que je vous conseille de faire. Si vous n'avez pas peur, jouer de temps en temps. Vous y jouerez peut-être plus longtemps que moi, et donc pas 2 ans et demi pour le finir, parce que moi, je me contentais de 2 heures par semaine. Effectivement, forcément. Mais si vous jouez 10 heures par jour, c'est sûr que ça vous l'aurait plus vite. Voilà. Je tout fais pour avec mon poète. Mais non. Pas de soucis. Oula, il y a Swag de Poulette qui est en train de bugger. Ça, on sent le chat qui marche sur le clavier. Je pense. Et merci beaucoup à Croquette au chat pour le follow. Eh bien tiens, Jamie, il y a Croquette au chat qui a follow. T'auras droit à une croc-croc. C'est bien, tu vois. C'est bien, t'es content, la croquette au chat. Voilà, il y a Jamie qui est là aussi. Bien sûr, il casse toujours les pieds. Hein. Bébé Jamie. Et d'ailleurs, la première fois qu'il est apparu, hein, c'était sur un autre Sauberry. Maintenant, le gros machin, regardez-moi ça. Il aura presque 1 an. Bientôt. On est le 23, bah, dans 3 semaines. Il fête ses 1 an. Voilà. C'est comme ça. Hop là. Allez, c'est parti. Pour le notre Sauberry. Voilà, bah, on est parti. Écoutez, il hein, n'y a pas de chichi à faire. Tout le monde va se coucher, sauf un, évidemment, le traître, qui lui est toujours là. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'il... Non, tu reviens pas. J'en ai un affiche. Tu reviens pas parce que il a recyclé le portrait de Copper et ça ne passe pas. Et non, j'ai oublié de faire le portrait de Céleste, donc il n'y aura pas les 10 portraits du Not Sauberry parce que bah il en manque un, il y en a un qui est passé... Dans la poubelle. Et oui, la maison est dégueulasse. J'en ai bien conscience. Ah non, et te plains pas, Mozza, parce qu'on a fait 2 salles de bain. Mozzarella et sa sœur Feta ont été relookées. J'ai pas retouché leur tronche. Donc là, c'est joli, mais le profil, ça va pas terrible. Les profils sont pas beaux. Bon, on voit rien. Bon, c'est pas grave. Je l'avais partagé sur la galerie. Vous pourrez vous juger par vous-même. J'adore, non, on a perdu. Oui, moi aussi, c'est un très très beau pseudo croquette au chat, j'adore. Salut Yo Mimi. Yo Mimi, comment vas-tu? Oh, le traître. Bien sûr, le traître, mais ça m'étonne pas. Déjà, tu dégages. Je t'ai dit, tu reviens pas à la maison. Donc, la choupette Mozza, on lui a laissé les lunettes, hein. On lui a laissé les petites lunettes comme on s'était dit, parce que ça lui allait bien. Voilà, elle est triste. Elle est triste que sa maison est sale. Mais il est 5h du mat, en fait. Tu peux être couché. Pour finir sur notre Sauberry, il nous reste que 2 choses à valider. Il s'agit du niveau 10 de la carrière. Critique gastronomique. Nous sommes au niveau 9, vous voyez qu'on est déjà dans la performance excellente. Donc on est plutôt bien barré. On est plutôt pas mal. La petite Feta, regardez. Elle a mis sa belle nouvelle jupe qui vient avec mariage. Et elle ressemble très très fortement à sa mère. Non, on fait pas le ménage, on a quelqu'un qui va venir. Oui, mais va aux toilettes, cocotte. Oui, bah écoute, si tu veux, tu mangeras ça. Et puis voilà. Que dire, que faire? Oui, alors, que niveau... Oh, je vais y arriver. Niveau 10 de la carrière est aussi valider son aspiration. Il nous reste une chose à faire. Savoir un enfant avec 3 traits de qualité personnelle positifs. Et notre petit Snow, il les a tous validés en positif pour l'instant. Mais il grandit dans 4 jours. Donc, il va falloir qu'on fasse 4 jours. 4 jours en essayant de garder ses points positifs. Et dès qu'il commence à clignoter, c'est anniversaire. Voili voilou.
Voilà pour le résumé, ce qu'il nous reste à faire pour ce Notes au Berry, et après c'est fini. Elle a été les airbags. Qui c'est qui a les airbags? Ça va, hein, ça va. Tu parles d'elle? Non, parce que la nuisette, elle a tendance à augmenter le volume. Notre cop-cop, exactement. J'ai dit ça parce que c'est moi qui l'ai créé, en fait. Attendu qui? Ah, ça, oui, mais faut pas me donner des faux comptes, c'est dommage. C'est dommage parce que les faux comptes, ben, c'est des personnes, c'est pas des vraies personnes qui viennent regarder, mais c'est quand même gentil, mais ça, c'est dommage. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais dit? Diminuer les manières, l'empathie. On va augmenter l'empathie. C'est pas grave, les manières, ça se acquiert facilement, ça. Ça s'acquiert très facilement. Oh ouais, mais il est que 6h30 en fait. Va faire une sieste en vrai. Et pourquoi toi t'es levé? Mais pareil, va faire une sieste. Je suis sûre que l'autre, il essaie de revenir, mais tu reviens pas en fait. Non? Bah je m'en fous, tu t'en vas. Va voir là si j'y suis, tiens. Ok, Snow s'est réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Du yoga. Les cours vont commencer. Quel plaisir. J'ai de gros doutes qu'on puisse choper Oh là là, je vais arriver. La promotion aujourd'hui, parce qu'on en est loin. Après, elle a un jour de congé et puis 2 jours de taf. Donc je pense que de toute façon, vu qu'on doit jouer au minimum 4 jours, ça devrait le faire. En tout cas, je l'espère. Je croise les miches, comme on dit. Pack perso, je le trouve un peu bof, il manque un truc, mais je sais pas quoi. Peut-être plus de même. Après, il y a un monde, il y a des animations, il y a surtout les animations au niveau du mariage, quoi. Vous savez, moi je pense que ça se résume à ça, c'est pourquoi il y a des fois des manques, parce qu'en fait c'est un budget, ils doivent budgétiser, donc il y aura une partie qui part pour ça, une partie qui part pour ça. Ils peuvent pas tout faire. Et que si y a un truc. S'il y a plus de gameplay ou plus d'animation, bah, y aura moins de meubles. Si par contre il n'y a pas d'animation, pas de moins de gameplay, il y aura plus d'objets. Ouais. Non, non, tu peux frosté follow. Bah, c'est juste la blague qu'il faut se follow pour nourrir les chats. Mais oui, c'est une petite blague. Je vous rassure qu'ils ont quand même à manger même sans follow. Hein. Parce que vous allez dire que quand je stream pas, ils bouffent pas. Et bah, exactement. Croyez quoi? C'est comme ça qu'on les dirige avec une main de fer. L'interaction assez buggée, mais l'interaction quand même. Ah bah c'est pas pire, c'est pas buggé, là c'est inexistante. Non, ça c'était. Je sais pas si ça a été corrigé, mais je l'espère. Le Bob de la Discord. Ah bah non. Ah bah non, il préfère creuser dans la serviette. C'est bien, Céleste mange. Céleste, tu vas aller manger. Tu vas surtout aller au bureau. Enfin, au bureau, oui. Compte sur toi, cocotte, hein. Petite... un tilapia, super. Non, mais arrêtez de vouloir faire le ménage. Et toi, tu vas pas bouffer. Ah si, ça va, tu peux manger. Jour... Oh là là, difficile. Perte de performance. J'ai encore le bug. Hein. Ah non, mais là, je vois ma... Ouais, ok. Allez, on accélère. La cadence. Tu peux épicer, Jacqueline. Salut, Enola, comment vas-tu? T'as raté quoi? T'as pas raté grand-chose, on a juste... Gain de performance moyen, mais ça c'est bien ça. On a relooké les filles. Ah oui. On a relooké les filles et là on arrive. Bah on commence au niveau gameplay. Puisque il nous fait encore juste la promotion niveau 10 et l'anniversaire de Snow et c'est fini. Vous voyez, il n'y aura pas beaucoup de gameplay aujourd'hui. Hein. Beaucoup s'ennuie. Mais t'as déjà bouffé. Et il m'énerve. Lui, il m'énerve. Hein.
Ah, mais les gloutons. C'est pire que tout. Tu sais quoi, tu vas aller nager, tu vas faire comme ton adopté. Allez, va nager. J'ai presque envie de prendre le pack pour le monde, mais je pense que je vais attendre qu'il soit soldé dans quelques mois. Peut-être que tu le gagneras, parce que je vous rappelle que vous allez gagner. Je vous offre le pack mariage aujourd'hui. Et je vais l'offrir à la fin du live, évidemment. Comme ça, bah, je récompense ceux qui seront restés tous les lives, évidemment. Ça me paraît logique. Oui, mais toi, tu te casses. En fait, tu te barres. Tu dégages. Je vous rappelle que lui, je ne l'aime pas. Donc tu vas... Oh, tu vas aller là. Hop, tu vas aller sur l'île. Fais-toi plaisir. Tu rentres pas chez toi. Ah, mais il a popé là. Mais tu rentres même pas. T'es même pas digne d'avoir une maison. Tiens, mais c'est notre tata, c'est Nila. S'enthousiasme à propos du mariage à venir. On fait des blagues à propos du mariage sans savoir s'il y a un mariage, en fait. C'est sympa. C'est complètement... C'est con, mais... ok. Je savais pas qu'il y a... Enfin, personne ne doit se marier. A priori. Je ne sais pas, écoutez. Tu vas travailler dur, cocotte. Oh, je me suis trompée. Ah, les manières de Feta sont compatibles. Ben oui, mais moi je vous l'ai dit qu'elle était bien cette jeune fille. Alors, ça va pas du tout niveau divertissement. Lui ça va, mais les filles elles vont regarder un film. Tu vas regarder un film, révision mouvementée avec ta sœur. Voilà, avec Amélie aussi. Voilà. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que c'est? Tu te sens pas bien toi? T'es parti pleurer dans les... C'est quoi ça? Cécile Drago. Ah mais oui, c'est vrai, Dragon, c'était dit que c'était une descendante de... Parce que c'est une famille, je crois, que j'avais installée à la première génération. Donc vous imaginez, elle est encore là, cette famille. Elle a subsisté 10 générations. C'est fou. Taquine sans pitié. Ouais, ouais. Tu t'es sympa, ça pourrait être ta meuf. Sois sympa vers les gens qui t'emmerdent, comme on m'a toujours dit ça. Apparemment, ils ont corrigé les bugs avec la mage. Oui, j'ai reçu une grosse mage, ouais. T'as du mal avec les challenges? À moi, franchement, sans les challenges, je m'ennuie. Tu pourras participer parce que t'as un travail? Ah bon? Parce que moi, j'ai pas de travail. Tu lâches qu'à quelle heure? Je sais pas. Ça dépend à quelle heure on finit, combien de temps on met pour finir le Note Soberry. En vrai, je sais pas. Je me dis dans un maximum de 2 heures, mais... Mais ça peut tellement être... aléatoire. Voilà, ah bah tu peux aller manger, pisser, toi manger et pisser. Bon, bah, c'est pas de promotion, je suis en train de me dire, pour Miss Céleste. J'avais pas vu qu'elle était rentrée. On est pas loin, hein. On est vraiment pas loin. Hein. Un peu de temps encore, et puis ça devrait le faire. Ouais, non mais moi j'ai un gameplay de ouf. C'est-à-dire que là, je mets tout en accéléré pour aller plus vite. Pour finir le plus vite possible. Ah, c'était tes devoirs, là? Ah, tu vas te faire tes devoirs, Snow. Tu vas faire tes devoirs, petit coquinouche. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Nila appelle, elle répond, ouais, tout à fait. Sept heures. Je suis même pas encore sortie de mon lit. Ça a même pas encore sonné. Je trouve ça assez bête, les interactions, sujets de discussion ne dépendent pas de s'il y a un mariage ou non, bah ouais. Bah là je m'en rends compte, hein, à moins que Nila va se marier, mais il me semblait qu'elle était déjà mariée. Mais... Agent Shrilé, c'est qui ça? A même deux travails, l'un d'eux étant animatrice pour un public, c'est ça. C'est crevant. Ah non, les toilettes, il est cassé. Écoute, ça si t'es... Va faire tes devoirs en fait. L'hôtel les fait déjà. Très bien. C'est perfecto. Qu'est-ce que c'est, ça? Goligi, excellent.
Excellent, bien sûr, Charlie. Excellent. Excellent. Tu vas envoyer la revue. Ouais, j'ai oublié qu'on lui avait fait faire des bouquins. Ah oui, c'est parce qu'après, on était pas riches, c'est vrai. Vlad, il va commencer à bosser. Elle, alors, émotion, conflit. Conflit, émotion. Contre-émotion, manière. On va diminuer les manières, parce que c'est pas très grave, les manières, ça se remonte assez fastoche. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Casse-toi! Je veux pas te voir! Alors pourquoi vous demandez pourquoi je le dégage, lui? Parce que c'est l'enfant adopté. Déjà, de base, je l'aime moins. Mais parce qu'il a hérité d'un trait de merde qui fait qu'il a recyclé un des portraits de nos héritiers ici, qui sont tous là. Enfin, sauf Céleste, parce que j'ai oublié de le faire. Un de nos héritiers qui est de la génération orange, il l'a recyclé, donc bah, il l'a jeté en fait. Il n'existe plus le portrait. Donc, il mérite la mort. Donc je le dégage, je le fous à la bout de la map, et il se démerde. Ça ne me regarde pas! Ce qui fait, je veux plus le voir. Moi, méchante? Oui. Exactement. La souci est tel, j'ai dû tout fermer et démarre. Tel puis Twitch, pas de soucis Kitty. Ah non, la toilette il est cassé, moi regarde le budget. Ça va, il y a un problème aussi. Non, on est presque pauvre. Attends, en dessous d'un million, c'est pauvre. Je suis désolée. Si vous, votre compte en banque affiche moins d'un million, bah, vous êtes pauvre. Sachez-le. Je suis mauvaise, mais complètement. Je suis malveillante. Enfermé dans une pièce. Bah ouais, mais il y en a, ils le veulent vivant. Bah, vous savez, vous, dans la galerie, vous l'aurez vivant. Je peux le tuer maintenant. C'est pas un souci. J'ai dû enregistrer dans la famille, dans la galerie. Ah, les voisins. Les voisinsins. Bonjour, les voisinsins. Comment que ça va, les voisinsins? Mon Snow, t'as fini aussi tes devoirs. Tu vas te plaindre de la taille du téléviseur parce que, comme eux-mêmes, hein, on est riche. On pourrait avoir un télévisateur de la taille d'un stade de France de foot. Ou stade de foot de France, je sais plus. I don't remember well. Amor qui rit Dark Mode. Exactement. Dans d'atroces souffrances. Fait nager, il sera épuisé. Va se... Non mais il se noie pas. Malheureusement, on a déjà essayé. Maintenant, oui, tu peux y aller dans la galerie. Oui, non, je peux le tuer. J'ai un coup de MCC dans sa tronche et paf, plus rien. Mais oui, MCC, oui, je sais, je connais. I've done it already. Oui, il s'appelait Copper, l'héritier de la génération orange. Juste pas prétexte qu'il a adopté, tu l'aimes moins, je valide pas du tout. Mais c'est pour rire, Martial. Oh, la dérision. Le fun. Parce que j'aime bien les liens de sang dans le jeu, c'est aussi ça. J'aime bien la génétique. Puis bon, il est pas beau. Ça aide pas non plus. Hein. Je suis désolée, mais ça aide pas. Ah, alors, tu viens de sortir des trucs, toi. Discipliner, comportement récent. Punir. Non, on va pas punir, mais calme. Tu dis de pas être méchant, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Tu vas rien dire. Mais non, mais je sais pas pourquoi tu veux. Après, c'est bien d'adopter dans la vraie vie. Moi, je suis complètement pour. Hein. Tu aimes torturer tes Sims. Ouais. Ça dépend lesquels. Lui, c'est pas le mien. Il m'a été imposé. Ah, je rigole. Oh là là. C'est moi qui vais plus rien dire dans ce cas-là. Pourquoi elle est en colère? Pénible jour d'école. Bah putain, plains-toi, tu taffes pas encore. Crois-moi que c'est pire quand tu te mets à bosser. Hein. Ah, elle est belle cette jupe quand même. Comme même, elle a une très très belle jupe. Jupe qui vient avec mariage. Hein, voilà. Qui c'est qui? Ah mais en fait, ils sont en train de raconter leur life dans la chambre. Tranquille. Et lui, il bouffe ce qu'il a ramené. C'est normal, tout va bien. C'est les voisins. Hein.
On est sympa, on les laisse rentrer, puis ils font ce qu'ils veulent. C'est pas un problème. Il est quoi, 23... Ah oui, 23h. Ouais. Ah bah écoute, tu peux aller dormir aussi. Hein. Tu peux aller dormir. Toi, tu peux faire un petit pipi, tu iras te coucher également, Snow. Tu t'es parti faire du sport encore? Ouais. Accro. Ils sont accro au sport, les enfants. Accro. C'est qui l'héritière de la dernière génération? C'est elle. Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Sims qui s'éloigne se sent blessée par quelqu'un à proximité. Céleste peut-elle vraiment se qualifier de Sims sociale si ses amitiés se défont si facilement? Ah mais meuf... voilà. C'était mon... Voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire. Va dormir. Demain est un autre jour. Sinon, j'aurais mon dilemme indien ou mexicain pour l'origine d'un Sims, je précise. Indien. Ça aurait été top de voir tous les descendants réunis d'une autre Soberi. Enfin, à quoi ils ressemblent tous? Tu veux dire les descendants des non-héritiers? Mais c'est impossible déjà, parce que moi, mon arbre, il est cassé. J'ai quasiment que les héritiers, en fait. Voilà, si tu montes, ça c'est cop-cop d'ailleurs. Bordeaux. Ça commence à être long, hein. Il veut plus charger. 7 et donc Pepper. Je peux pas les retrouver déjà parce que j'ai que une des sœurs de Toya, mais j'ai pas l'autre. Et c'est déjà là, voilà. On est déjà pas mal, hein. Voilà. C'est pas du tout. Il s'appelle plus Rainbow. Mais alors savoir c'est qui et des. C'est impossible à savoir. Mais elle avait fait qu'un seul gosse, Philippe. Ouais. Mais c'est impossible, c'est trop. Enfin, t'imagines. This is not possible. Que des mauvais. Mais c'est impossible. C'est impossible. Sur 10 générations, t'imagines, c'est impossible. Mais il n'y a pas de nouvelles, Guillaume, c'est fini après. Je ne continue absolument pas. Donc là, les enfants qu'on a, eh ben, ils sont là, mais ils restent comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de suite. Ils sont ados, et ils font leur vie d'ado, et puis c'est tout. Il n'y aura plus rien derrière. Pour une fois qu'il a vraiment faim, j'ai envie de dire, lui. T'as vraiment rien à... Ah bah si, ils avaient ramené à bouffer. Bah tant mieux. Parfait, super. Dernière génération 13. Oh bah y a, oui, Melba a disparu, mais tu sais, même Pepper qui a eu deux enfants, on voit que notre héritier, sa fille, on, Coquelicot, on voit pas. Ça, parce que les branches, elles sautent en fait. Il reste que les héritiers qu'on a gardés nous dans notre arbre, sinon. Tu vas faire quoi comme nouveau challenge? J'en sais rien du tout. En tout cas, si c'est y a du challenge en live, je pense pas qu'il y aura de rediff sur YouTube. Comme ça, ce sera fait. En gameplay, je parle bien sûr. En long comme ça, c'est mort. J'ai déjà fait le Legacy. On l'a fini en septembre. C'est aussi sur 10 générations. Plus jamais. Plus jamais un truc long comme ça. Ça fou. Je pense que j'ai eu ma dose. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Mais... C'est trop. Voilà. Non, mais tu te crois où, toi? Tu vas pas outrepasser les limites, là? Tu vas là-bas. Regarde, une jolie petite île. Toute mignonne. Elle est à toi, je te l'offre. Voilà. Et en plus, il y va en nageant. Qu'est-ce qu'il... Mais voilà, comme ça, il se lave. Regardez. Ça lave, hein, c'est en plus divertissement au top. Merci à Guillaume de remuer le couteau dans la plaie. Je sais qu'il faut que je laisse couler cette histoire, mais c'est compliqué. Oui, c'est grâce à une mage que ton arme ne pète plus. Bah... Ouais. Challenge sans bébé, oui, bien sûr.
Bloque la porte juste pour lui. Ouais, je devrais. Mais il croit quoi? Viens là. Tu fais demi-tour. Tu sais, je vais laisser se gérer eux et toi, je vais te forcer à rester sur cette île. Vas-y, ouais, sèche l'école. Non, oh non, il va être chiant. Ah, merde. Va à l'école. Parce que sinon, je suis obligée de le gérer et qu'il revient tout le temps. Ah, mon Dieu! La gazinière, elle est cassée. Ah, 300 balles, ça va. Pipi, bah, de toute façon, elle bosse pas aujourd'hui, donc tranquille. Ah, mais sérieux? Oui, Nila, qu'est-ce qu'il y a? Responsabilité, empathie. Augmente la résolution de conflit. Parce que c'est pas grave, la responsabilité, elle fait ses devoirs et c'est revenu quoi. Exposé dans la classe, on donne tout. Voilà, non, tu fais pas le ménage. Tu vas aller faire du bénévolat avec ton mec. C'est pas mal ça. M'en débarrasser un petit peu une partie de la journée. J'aime bien. C'est vous déjà. Voilà. Alors on va aller faire un nettoyage de plage. Et 1211 simflouz. Allez, une journée de travail, je pense qu'on peut être sur la promotion. Une journée. Il est encore ado. Ouais, ils sont tous ados pour l'instant. Je partage ces expériences sur YouTube, ma souffrance, ça va venir. Je vais péter vite un plomb, ça va être drôle. Hein? Ah, tu le fais! Ah, pardon, j'avais pas compris. Enfermé avec des murs, tu rends enfin la paix. Vous êtes pire que moi. Oh bah dis donc, quel look! Eh, quel look! Ouh! Non, on n'est pas intéressé. Nous, on n'a pas assez d'argent pour donner comme ça. Vous rigolez ou quoi? Eh, mais en fait, j'ai oublié qu'elle pouvait aller taffer. Elle va au boulot. Je suis bête. J'avais oublié qu'elle était bourreau de travail. Ah, toi, tu vas venir pouvoir passer un petit peu l'aspi. Il y a des lapins qui sont apparus. Et ben c'est l'heure de la pub, je vais vous balancer une petite page pub à 30 secondes. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous la voyez, puisque grâce à ça, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, vous me donnez quelques petits centimes d'euros. Voilà, et ça fait plaisir. Merci. Non. Les notes sont en hausse. Quel plaisir. T'es où? Ouais, mais tu retournes sur ton île. Écoutez, tout le monde n'a pas droit à avoir une petite île, rien que pour soi. Donc je trouve que moi, il est très chanceux, ce garçon. Donc ça suffit. Pourquoi il est triste, lui? Qu'est-ce qu'il y a, mon biquet? Pourquoi t'es triste tous? Ouais, rien qui va aujourd'hui, toi. Tu vas te donner pas un encouragement si juste, voilà, c'est le moment de porter du noir. Pas de raison particulière. Ok, les filles, y a rien qui va, c'est cool. Ah bah dis donc, ça a l'air d'être sympa. C'est beau l'adolescence, hein. T'as vu, Machel? T'as encore un peu de temps devant toi, mais à mon avis... Quand elle marche. Ça me flingue à chaque fois. Ah oui! Elle a mis sa super tenue. Alors ça, on va tester. On va la faire bronzer dans cette tenue-là. Pour voir ce que ça donne. Ah, je pensais qu'il cuisinait pour tout le monde, mais même pas. Ok, servir le déjeuner, faux sandwich, allez, vas-y. Pas de pub, j'ai pas lancé, c'est bon. Je suis la pire. Marine est repartie. Non, elle est là. Tu veux pas lui bloquer l'accès au niveau des portes, si.
Vous pensez que je suis vraiment... vous pensez qu'il vaut mieux faire ça ou que je... faut que j'arrête et que je laisse réintégrer la maison? Est-ce que je suis une affreuse personne? Est-ce que t'as remonté ton truc, toi? Pas trop. Va te calmer devant... Après qu'on essaye de te faire bronzer avant qu'il fasse nuit. Eh ben voilà, elle est très enjôleuse, elle s'est vue, elle a dit « T'as vu comme moi je suis bégette hein. ?» Se faire bronzer dans la tenue actuelle. Juste pour voir si elle, elle aura les petits quadrillages. Ça risque d'être marrant. Son âge. Laisse mourir dehors. Je sais pas, j'ai l'impression maintenant que je suis un monstre. Bon, pour moi c'était drôle, c'est un sim ça. C'est pas grave. C'est pas un vrai... Du coup, tout le monde... Mais arrête de faire du sport, toi. Faut bien manger aussi. Oui, bah toi. J'allais dire, toi, tu viens manger, mais en fait... je me pose la question. Ouais, bon... Non, parce qu'en vrai, j'ai vraiment pas envie qu'ils refassent de la merde avec les cadres aussi. Donc, c'est ça qui est chiant. C'est un jeu, il a fait une erreur fatale. Ah, ça, c'est sûr. Il a acheté Cop Cop à la poubelle, c'est ça. Comme je n'ai que 5 votes, donc 4 en faveur des origines mexicaines, ouais. Bah non, mais tu fais ce que tu veux. Donc les portes, on accepte les que les légitimes. Je vois qu'il y en a qui sont aussi pires que moi. Ah, vous êtes affreux. C'est pour ça que je vous aime. Je vais quand même faire un petit sondage pour être sûr que vous ne me considérez pas comme un monstre. Je sais que je suis un monstre, je fais peur. Alors. Alors, la question. Putain, par contre, au niveau des fautes, c'est voilà. Ah bah d'accord, bon. Il y a visiblement pas assez de place dans la réponse pour que je puisse... Ouais, donc vous avez 2 minutes. La question est, on fait quoi de Kiri? Et vous avez le choix entre 3 réponses. Voilà. Il faut le punir pour son crime. C'est dehors, elle a recyclé le portrait de Cop Cop pour me protéger les autres portraits. Un minimum. Parce qu'après, voilà, comme j'étais en accéléré comme ça et que je le gérais pas, c'est pour ça hein, qu'il a fait... Parce que comme il a le truc recyclage, je sais pas quoi, il a voulu, voilà. Ça, c'est des traits un peu pourris, franchement, parce que, genre, tu peux pas les gérer, ils vont être stressés, et puis d'un... Ah, mon Dieu, j'ai pas recyclé, ils prennent un truc au pif, quoi. Et c'est comme par hasard, les trucs auxquels on tient, c'est un portrait, c'est un truc... C'est chiant, en vrai. C'est un... J'ai rien contre le recyclage, heureusement, mais dans les Sims, je sais pas, ils ont mal géré le truc, je trouve. T'aurais bien voté 2 trucs, la 3e réponse. Puisque vous avez trois réponses qui est on le laisse dehors, on le laisse rentrer et on l'étale sur une tartine, évidemment, le Kiri, hein. On peut l'étaler sur la tartine. Kiri, moi je le mange. Et salut, comment tu vas, Chris et Ratops, tu vas bien? Je suis un peu partie comme une voleuse hein, la dernière fois, mais... Oh merde, j'avais pas vu qu'elle avait cramé. Elle est toute orange. Elle est orange. Alors je pense pas qu'elle est bronzée à travers les quadrillages. Oh la pauvre. Je l'ai laissée trop longtemps. Oh mon Dieu, je me disais bien. Et bon, avec le blanc en plus de ses cheveux et de ses fringues, c'est... ça ressort bien. Là pour le coup de peau d'orange, on y est. La première et la troisième. Il vous reste encore quelques secondes pour voter. Si vous ne voyez pas, vous pouvez refresh la page. T'as envie de manger du fromage, je ne sais pas. La pauvre. T'en fais pas pour ça, c'est déjà... Bah, avec plaisir, avec plaisir. On l'étale sur une tartine à 44%. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voir les résultats. Je regarde la deuxième tendance. Ah, c'était quand même 33%, on le laisse dehors, 23%, on le laisse rentrer. Hein. Donc vous êtes vraiment... Vous me soutenez dans le... Dans le délire, quoi. Vous avez pas envie qu'il revienne. Ah, et
était presque, hein. Il est très presque rentré. Bon. Mon petit, on va te faire un petit truc. Tu vas kiffer. Regarde. Tac. Et voilà, Kiri est rentré à la maison. Bienvenue. Écoute, on te met là, c'est pour ton bien. Tu vois, c'est pour pas te faire mal. Voilà, je pense qu'il s'est exprimé. Ça fait plaisir. Le petit lag qui fait du bien hein, quand on retourne dans la construction. Normal. On lui fait une cabane. Bah voilà, il a sa petite cabane. Sur l'eau en plus. Eh, qui n'aurait pas envie d'avoir sa petite cabane comme ça sur l'eau, tranquille, là, sous la nuit C'est beau quoi. Il y en a qui ont de la chance dans la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Tu peux te changer toi qu'on regarde. Si t'as cramé, comment on peut... Putain, elle est vraiment orange, la pauvre. Un maillot de bain. Oh, si, ça a fait le quadrillage. C'est affreux. C'est dégueulasse. Dans sa boîte qui rit, exactement. La vie est belle, sinon là ça va très bien, ouais. Enfin, ça pourrait être mieux, mais bon, ça va. On s'en contente. C'est la version Sims des poteaux de Koh-Lanta. Oh là, comment la bronzer. Ouais, mais c'est pas grave, ils sont tristes, écoute. Non, mais c'est vrai que c'est méchant ce que je fais. Puis j'ai vexé Martial. Je sais pas pourquoi, mais. C'est un jeu, chaton. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est encore ça? Mélanie le Grand. Ouais, mais on te connaît pas. Tu serais pas une vampire par hasard? Ouais. Alors, elle va bosser demain, c'est ça? Nickel. Nickel. Nickel, 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 nickel. Promotion, promotion, s'il vous plaît, enfants. On est vraiment dans la dernière case. Ça, c'est good. Et Snow, il grandit dans... Oulala, 2 jours. Le problème, c'est que lui peut grandir aussi avant. Il a volé la vedette déjà pour devenir ado, donc faut vraiment pas que je loupe le coche. Pour Snow, faut que ce soit ASAP, comme on dit dans le jargon. C'est moche, mais c'est bien fait. Fais à lui pour dodo. Bon, tu crois quoi? C'est horrible. Tout ça dans son trou. Ah mon dieu. La cabane au fond de la mer. On les voit où les challenges? Alors, si tu parles de mes autres challenges, tu peux les voir sur YouTube, qui a le lien ici. Et sinon, ben, si tu veux les règles du Not So Berry, tu peux taper Not So Berry. Comme ça. Non, il veut... Non. Ah, purée! La vache, Nightbot! Voilà, tu as les règles du Not So Berry qui sont sur ce lien également. Et si tu fouilles un petit peu sur le lien de Not So Berry, tu auras accès à beaucoup de règles d'autres challenges qui ont été créés par beaucoup de monde sur les Sims. Et là, tu peux choisir celui que tu voudras faire. Il va pas qu'il meurt, donc Céleste et sa promo, en fait, sinon elle risque de faire n'importe quoi au travail. Bon, il va pas mourir. Regardez, il y a encore du vert, donc c'est bon. Allez, 250 simflouz, le frigo, ça va. Ah non, ah c'est chiant. Faut vraiment que j'y aille tout, que je réfléchisse à ce que je fais. Augmente l'empathie contre les émotions, ça passe avec... bah ouais, parce que sinon... Contre les émotions, c'est le sport, donc c'est pas mal. Je peux y remédier. Oh là là, ils sont tous dans un état. Bah, il y a à manger, hein, par contre. Elle est en train de se laver, ok. Lui, on s'en fout.
Pourquoi je... Parce que je sais, je vois celui qui est rouge, donc je me dis, attends, je commence par quoi? Mais en fait, c'est... On s'en fiche. Il peut être rouge s'il veut. Mais non, pas un lit, un cercueil pour préparer son futur. Ah, affreux. Mais je veux pas le tuer. Je veux juste le punir. Très fort. C'est ça, c'est juste ça la différence. Ah non, c'est bientôt l'anniversaire de Kiri. Non, t'as pas le droit de vieillir. C'est Snow qui vieillit. Oh. Non, mais je vais... Regardez, je vais aller l'envoyer à l'école, je suis sympa. Vas-y, barre-toi. Arrête de te plaindre. Voilà, va à l'école. Ah. Vous pouvez pas dire que je suis pas sympathique. Par contre, elle qui va en cours en étant orange comme ça, mais... La pauvre. Oh l'enfer. Là, là, c'est même... Enfin, après, quand t'es orange comme ça, c'est que t'as abusé de... Ouais, punaise. T'as abusé beaucoup de l'auto-bronzant, mais... Elle, même pas. Elle a vraiment bronzé, quoi. C'est juste qu'elle a une réaction orange. C'est moche. Allez, ma cocotte. Tu vas prendre... Tu vas pas s'entraîner à chanter. Une... Va falloir assurer au boulot, ma cocotte. Today is the last day of your work. You're au niveau 10. Ah, c'est contre la montre. On est contre la montre. C'est sadique un petit peu. Je me posais une question. J'ai vu une vidéo que je sais plus qui est personne. Son sim se faisait enlever par des extraterrestres. Quelqu'un peut m'expliquer avec quoi ça vient et comment on fait pour les se faire kidnapper. Alors, c'est complètement aléatoire, mais ça vient avec au travail. Puisque tu as la carrière scientifique qui permet d'avoir, d'établir des connexions en fait quand tu vas au travail scientifique avec ton Sims. Tu peux faire des liens machin et tout, et c'est carrément possible de te faire enlever. Mais moi ça m'est seulement arrivé quand mon Sims était en carrière scientifique, sauf une fois. Une fois j'ai eu un enlèvement et en fait c'est un truc que vous savez pas. Parce que c'était pas une... C'était pas un... J'ai fait un test. En fait, j'ai créé des personnages pour vous faire un teaser que je n'ai toujours pas continué. Il va falloir que je le reprenne. Et en fait, genre dans les 5 secondes après avoir mis sur play, il y a un de mes persos qui s'est fait enlever. J'étais là, ok, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà. Mais oui, en général, ça a plus souvent arrivé si tu as la carrière scientifique. Parce que c'est là que d'où viennent les aliens. Avec cette sortie-là. Alors, Snow, résolution de conflit, résolution de conflit. Bah, résolution de conflit, l'empathie diminue. Et merde, il est plus compatissant. Ah, pourquoi c'est... Non, bah, je réponds pas, parce qu'il va faire que des conneries. Ah non, parce que s'il répond au truc d'éducation, alors qu'on... Voilà, on sait pas, ça va me gaver, en fait. Non, je réponds plus au téléphone. On va les affronter. Oh, c'est Kiri. On accepte ce résultat. Cocotte, tu vas aller bosser, hein. 10h. 10h, allez, vas-y, va au taf. T'as 4 minutes de retard. 5. 6. T'es trop en retard. Comme Pepper. Oui, Pepper s'était fait enlever. Et tu reviens en cloque? Pas du tout. Non, non, il n'y a aucune obligation, c'est les hommes. C'est les hommes qui tombent enceintes s'ils touchent un homme, un alien homme. Mais les femmes, non. Elles tombent pas enceintes. Mais laisse la dame faire son travail. Va faire du yoga. Ils kiffent tous le yoga, c'est un truc de malade. Et hop, après, ils cherchent. Il a perdu son bronzage, d'ailleurs. Ah, j'avais des bébés bleus et verts partout. Ah bah, ça. C'était horrible, c'est pas dit, tout le monde se faisait enlever parce que j'avais mis une fois un scientifique. Et moi, par contre, ça se limite à la génération...
Enfin, c'est souvent le Sims qui est scientifique, tu vois. Mais ça m'est, comme je vous dis, ça m'est arrivé une autre fois, j'ai pas compris. C'est comme ça, t'as pris un truc, mais le jeu est pas d'accord. J'ai un bébé extraterrestre, il y a pas longtemps que les parents étaient normaux et personne n'avait été enlevé. Ah, ça, c'est un sacré bug, hein! Mais Sims s'est fait enlever, il est devenu en cloque, j'étais what? Bah ouais, parce que si c'était un homme, ouais. Il y a plus de chances si c'est un homme qui se fait enlever. Je crois que je l'ai jamais eu, moi, le coup de l'homme enlevé qui revient en cloque. Je crois que je l'ai pas eu. C'est toujours une femme qui s'est fait enlever. Arrête de manger! Pire que moi. Tu vas aller jogging, hein? Bon, ma petite. Ah! Ils sont chiants ces Sims. Ah! Promotion. A priori, c'est bon pour Céleste. Nous avons un objectif. Ah, ils ont tous eu. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont forts! A priori, elle a la promotion. Elle est orange de colère. Va te calmer les nerfs. Toi, tu vas y manger aussi. Et toi, tu fais quoi, toi? Ah non, non, mon garçon. Ouais. Et en plus, genre, il va aller dans le lit des parents. Non, mais. Ah, il a disparu. Oh. Je sais pas où il est. En fait, on fait de la séquestration et de. On le malmène, ce garçon, mais comme il va à l'école quand même, on peut. Les autorités peuvent pas se dire, bah ça c'est évident. Bah non, il va à l'école. Certes en sale état, mais on sait pas. On sait pas. Je crois qu'il est trait de terrain comme aliment cosmique, mais avec des aliens. Ouais, mais ça c'est juste pour avoir des enfants aliens, ouais. Les Sims 2, j'avais un code pour que les Sims se fassent enlever par les extraterrestres. Je te raconte pas comment j'en ai abusé pour mes Sims Homes et des bébés aliens. Ah ouais, il y avait un code pour ça? J'avais même pas. Tabichi! Tiens, tu vas regarder un film, Le Retour du Chien Perdu. Il nous reste un truc à faire et c'est fini, le Note Sauberie est terminé. Oh, sérieux? Ah, oh, ça fait plaisir. Oui, un petit objectif tout bête. Ah, enfin. Oh, oui. Quel plaisir. Promu au poste de juge des saveurs des plus raffinées. Elle gagnera désormais 96 Simflouz de plus par heure, soit 441 Simflouz de l'or au total. Elle a également reçu en bonus 1762 Simflouz. Coupe de fruits en or, réservée au meilleur repas et... Réservée au meilleur repas, c'est ce que ça veut dire. Et nouveaux vêtements, donc créer un Sims. Ah. Tu sais qu'il faut que je fasse une belle photo pour toi, pour dire pour la dernière fois, quoi, dernier épisode. Wapa! Oui, non, mais il n'y a pas de souci pour les barres de vie, c'est juste qu'il faudra que je sois au taquet pour fêter l'anniversaire, en fait. Merci beaucoup, JGH444 pour ton follow, bienvenue à toi! Et merci tout le monde, évidemment. Nous avons donc un niveau 10 pour Céleste. Ça y est. On touche du doigt la fin du Notso, hein. Regardez cette future miniature. Notsoberry, c'est fini. Je vais enregistrer parce qu'au cas où le PC plante. Le poète m'éclate.
Et vous l'aimez bien, le pouet, hein. Je l'avais mis pour mon anniversaire et il est resté, hein. Vous l'aimez bien, le pouet. Merci, Oniri. Ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Snow grandisse. Et dans 2 jours... Mais lui aussi, hein, en fait, ils sont le même jour, mais Kiri a légèrement de l'avance. Mais lui, je vais le laisser clignoter, alors que lui, je vais lui fêter son anniversaire, parce que je veux quand même que ce soit Snow qui valide l'aspiration. Je vais y arriver. Dicholet, comment tu fais pour faire une capture d'écran Sims? La touche C. Tout simplement. Tu fais avec Tab, tu bouges, hein, avec tes flèches et tout pour faire un bon angle. Et après, tu appuies sur la touche C comme capture. Bien sûr, j'ai appuyé quand elle passait. Et ça te fait une imprime écran de ce que tu vois. Tu peux même le faire quand t'as ça autour, parce que tu auras pas tout ça, en fait. Tu auras pas les lui, comme on dit. Tu l'auras pas. Mais tu peux... Voilà, et tu le retrouves dans tes documents. Mes documents, Electronic Arts, les Sims 4, capture d'écran. Voilà. Non, non, c'est pas capture d'écran du PC, tu fais la touche C, c'est tout simple. Et c'était assez simple, il suffisait d'activer la barre de code de triche et d'entrer get the... Ah oui, ça me dit quelque chose. Pas de soucis, Shurisa. Bon, par contre, il a perdu son empathie. Ah, et son contrôle des émotions. Jean-Claude. Snow, tu vas aller courir. Pour te vider l'esprit. Parce que ça va te remonter ton contrôle des émotions. Et l'empathie, bon... Après, j'ai besoin que de 3 traits. Hein. Là, je suis à full, mais... C'est bien aussi qu'on les a tous comme ça, au moins. On est sûr que ça valide bien. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait un challenge qui s'appelle les enfants parfaits. Non, t'aimes pas la malice. Ah non, oh non, pas la malice, please. Ça, c'est vraiment un truc que je peux plus, moi. Les enfants parfaits, c'est la suite des 7 bambins. J'avais voulu continuer une fois que les 7 bambins avaient grandi. Eh bien, ils étaient donc enfants. Et mon but, c'était que les 7 enfants aient leurs 6 qualités, ici, personnelles, positives. Sauf que forcément, il faut aller jusqu'à l'âge de jeune adulte pour les verrouiller. La toute fin a été insupportable parce que le dernier des ados demandait au premier des jeunes adultes un conseil. Forcément, comme il avait 0 skills et que ça fait baisser de ouf les trucs des conseils. Oh, je m'étais tellement pris la tête pour regagner les points. Je m'étais énervée. Hein. C'était quelque chose. Hein. C'était un des premiers challenges que j'avais mis en place tout seul, comme une grande fille. Un challenge que j'ai inventé sur ce qui fait 2 lignes. Mais au moins, je l'ai inventé. Et c'était un vrai nom de challenge, pour le coup. Mais bon, il est passé complètement inaperçu, parce qu'à l'époque, j'avais... je devais avoir... Attends, les enfants parfaits. Sachant que les 7 bambins, c'est le premier challenge que j'ai fait. Bon, je devais aller voir 300 abonnés. À peu près. Je vais enlever tous les Sims, hommes comme femmes. Les virer. Oh non, mais après, je les vire pas. C'est pas... Non, après, une fois qu'ils sont jeunes adultes, les garçons, le challenge est fini. Hein. Je continue pas. Hein. On s'arrête là. Hein. On dit au revoir et puis basta. Hein. On dit au revoir. Alors, il nous faut qu'il fasse de l'empathie. Est-ce qu'il peut améliorer... Vous savez, dire, tiens, tu peux mieux t'entendre avec machin bidule, là, parce que ça marche. Ça marche bien en général. Le truc, c'est qu'il faut qu'on ait la possibilité. Et je pense qu'il faut qu'on se fight avec quelqu'un pour. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que ce soit si disponible que ça. Et l'autre, elle est déjà dans. Il est 8h du soir. Bon, j'avoue qu'elle est cramée avec ses coups de soleil, la pauvre. On va prendre une douche. Parce que des fois, quand tu te fights avec un autre, t'as la possibilité. Mais là, évidemment, je l'ai pas. C'est chiant, l'empathie, parce que c'est vraiment... Je pense que moi, c'est la qualité la plus compliquée à avoir.
tu peux la monter de ouf avec les ça, mais c'est seulement au stade enfant. Et du coup, entre la fin des stades enfants et début du stade adulte, faut y aller. Hein. C'est chaud. Hein. C'est très chaud. Après, il y a aussi bénévolat et compagnie, mais c'est une fois sur deux si t'as l'action ou pas. Et il faut bien choisir, donc c'est vraiment chiant. Toute une faupée de bébé alien, j'étais comment transformer en vampire, garou et sorcière. Alors, combien de jours avant qu'il nous... 2 jours. Enfin, pour les garçons, c'est 2 jours, mais les filles... Les filles, un peu plus. 6. Bon, on fera pas. Hein. Les loups-garous, ça me manque tellement. J'ai vu qu'il y avait un mode qui était sorti. Faudrait que je teste. Rancrice comme ça, il servira à quelque chose. Ah ben oui. Mais il est déjà triste, regarde. C'est juste qu'il y a d'autres trucs qui vont pas. Il est seul, Biquet. Tu vas aller voir ton frère? Attends, pas ton frère. Voilà, il fait des câlins des... À un moment donné, comment veux-tu faire confiance à quelqu'un qui fait des câlins des sacs poubelles? Je suis désolée. C'est pas possible. Mais il est bien, regardez, il est content. Ah non, pas trop. Pas trop. Mais elle était pas censée être triste l'autre fois? Je sais plus. Mais je t'ai dit d'aller te laver. Pourquoi t'es pas allé te laver? Je comprends pas. Oui. Bah ouais, mais du coup elle va... Ouais, mais... Ah non! Ouche, ouche! Purée de pommes de terre! Mais tu vas où? Viens là! Toi, tu as besoin de te divertir aussi. Faut regarder la télé, je sais pas. Ah, papa est parti bosser. Il va plaisanter avec ses collègues. Tu sais pas te gérer tout seul, hein, Snow, là. Il n'y a rien que du tout qui fonctionne chez toi. Ah, oh, bah, c'est déjà fini. Ça va être du jardin. Ça, tu ne foutras pas le feu. Elle est cool, cette tenue, en vrai. J'aime bien la jupe, elle est trop sympa. Salut, Lina. Bienvenue. Oui, mais il est payant. Ah, le mode loup-garou, je sais pas. J'ai pas regardé encore. C'est vrai que j'ai pas encore regardé. Non. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais what the fuck? Tu vas être présentation grossière. Tiens, mais pourquoi il y a des gens random qui rentrent comme ça dans la baraque? Non, mais mec, t'as même pas à répondre. Qu'est-ce que tu fous chez nous, quoi? Mais t'es qui? Ah bah d'accord, c'est un dingo. C'est un dingo. Je fais exprès pour qu'elle puisse s'entendre avec... pour que son fils fasse de l'empathie. Mais offre un cadeau méchant, fais un cadeau prout. Qu'on rigole un peu. Parce que nous, on rigole encore au prout à notre âge. Ça, pour parler de quelqu'un, cette sympathie... Bah, je suis désolée, tu sais même pas qui c'est. Ah, le P, c'est dégueulasse. J'aime bien. J'aime bien. Ça me fait rire à chaque fois. Ouais. Vas-y, vas-y. Et puis tu te casses. À un moment donné... Snow? Maman a besoin de toi! Alors, qu'est-ce que tu veux bien faire pour aider ta mère? Ah ah ah. Discuter de l'embarras. Alors? Pourquoi tu veux te balader avec un sac sur la tête? T'es si jolie, maman. Oh, mais j'ai honte, tu vois. Et voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, on est content. Ça, c'est très, très bien. Ça, j'aime. Ça, j'aime bien.
Donc, on n'a pas le donner conseil, je sais pas quoi. Là. Mais c'est très bien, tu vas être couché, mon biquet. Ah, tu m'as fait peur. Tu vas être caché. Ah, par contre, je vais ranger la salade. Elle s'est bien rangée là où il faut, hein, parce que des fois. Hein. Je suis gentille. Je vais donner un verre. Est-ce qu'il va saisir cette opportunité? Un verre de lait. Un câlin à un sac poubelle. Comment voulez-vous aussi? Mais t'as pas faim en fait. Arrête. Va dormir. Mais il a eu le temps de bouffer la salade. Je m'étais dit j'allais donner le reste à Kiri. Mais il est résistant ce garçon. Hein. Oh, il y a tout qui est rouge. Hein. Puis fais ses devoirs. De toute façon, je pense que oui. Ah si, il a le contrôle des émotions qui est positif. Ah bah de toute façon, c'est pas lui qui nous fera valider la truc. Donc, oh, magnifique, il est tout rouge. Coucou Béanaïs, comment vas-tu? Je viens de me réveiller, j'ai fait une sieste à 18h. Mais tu sais, moi aussi, je suis rentrée du taf, je suis allée dans mon lit, quoi. J'étais trop fatiguée. J'ai un peu somnolé, sans dormir réellement. Mais dans un sens, ça a dû me reposer un peu, parce que sinon, je pourrais pas tenir là, ce soir. Donc, ça va. Mais ouais, j'arrive pas, je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas réussi à me sortir la tête du cul. Désolée, Coco, mais c'est un... Eh, qui c'est qui a rigolé? Je veux voir ça, ceux qui sont tristes de voir ce jeune homme souffrir. Qui sont ceux qui ont rigolé quand mes Sims genre Astray, Bordeaux, Iowa, Mildred étaient sur le terrain de la mort, là? Hein? Qui c'est qui a rigolé? C'est la même, hein? Ben oui, je lui ai mis un petit verre de lait, mais comme il est stupide, il va même pas le boire. Il reste 2 heures. Alors d'habitude, ils sont obsédés avec les verres, ils en boivent tout le temps, mais là, bon non. Rien n'affiche. C'est pas... Non, tu touches pas la poubelle, Jeannette. Tu... Pourquoi ça te fait rire, Marine? Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'était des adultes. Ah, et alors? Ça reste des humains? Pas des humains. Des Sims? C'est un ado, là. C'est grand, déjà. Ils ont la même taille qu'un adulte. Je reprends le travail lundi matin. Je fais 8h-19h30. Ça va piquer. Ah, la vache, c'est un sacré taf, dis donc. Bah oui, c'est gentil de ma part. J'ai adoré les voir souffrir. Moi aussi, j'ai rigolé, moi aussi. Bah alors, alors. Bizarrement, là, je torture un adolescent, ça va pas. Attends, c'est la même chose. Hein. Ah non. Oh, il se plaint que la vie est injuste. Mon biquet. Mon petit biquet. La vie est injuste, mon petit Snow. Mais non. Franchement, ça pourrait être pire pour toi. Peut-être qu'il dit... Il se plaint pour son frère qui dit hein, « Oui, mais t'imagines, t'as enfermé mon frère dans sa cabane sur l'eau. » La reine des enfers. Ah, t'as rigolé, donc tu t'exprimes, pardon. Perso, Bordeaux, c'était mon chouchou.
J'ai parié pour Iowa. Bah franchement, je pensais qu'il allait s'en sortir. Il a pas réussi à s'en sortir. Et oui, on construira le terrain à deuxième version ensemble. Mais Kiri, à ce qu'il mérite, il a jeté Cop Cop. Ça reste un signe. Bah oui, il n'y a personne qui souffre. Il faut que je surveille parce qu'il ne faut pas qu'il demande des conseils parce que ça peut faire tout baisser alors qu'il est sur le point de devenir jeune adulte. Et regardez, il a tout, hein. Non, tu sèches pas. Kiri, il faut qu'il aille en cours. Kiri, on va le libérer. Ben, il a même pas bu son verre de lait, je m'en doutais. Va aller à l'école. Va à l'école. Et sinon, il va réviser, bien sûr, assidûment. Pour avoir une très bonne note. Oula, oula, il est coincé dans le meuble. Non, alors toi. Non, t'as pas assez faim. Je pense que tu manges déjà assez comme ça. Mais les gloutons, c'est infernal. Faut toujours les surveiller. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est quand même chiant. Pas une cabane, une villa. Tu voudrais pas être une Sims? Oh, moi, je sais pas. Hein, des fois, ils ont ma belle vie, quand même. On leur trouve des partenaires qui les aiment, sans distinction de quoi que ce soit. Ils sont tous beaux, même si c'est les plus laids. C'est facile, hein, finalement, d'être un Sims. D'accord, ils souffrent un peu, des fois, mais est-ce que c'est de la vraie souffrance ou c'est juste quelques pixels rouges? Vous avez 2 heures. Tu aurais dû mettre les grilles de prison pour Kiri. Ah oui, je peux, hein. Juste pour le Mother Lodge, je dis oui direct. Mais ah, mais nerve! C'est insupportable, il est tout le temps en train de vouloir bouffer. On est mort de rire. Vous aussi, vous êtes mort de rire. Mais il y retourne, hein. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que lui aussi, je l'envoie au fin fond de la mer. Vous savez très bien que quand ils m'énervent, les Sims, je les envoie courir. Il y en a, ils ont que ce qu'ils méritent. Tu fais une prison souterraine. Ils méritent pas qu'on dépense de l'argent, vous êtes pire. Vous êtes les pires! Oh là là! Et salut Milef, comment vas-tu? Bon bah de toute façon, elle va étaffer aussi, donc, mais bon, comme on a déjà atteint le plus haut des niveaux, faut juste attendre que ça grandisse. Château! À niveau 9 de fitness. Snow, 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 snow va nous faire gagner le note so-so. Snow, 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 snow va nous faire gagner le note so. Ah, voilà, le truc il pue maintenant. Bah oui, bah écoute, on t'a donné une occasion de manger quelque chose, tu la saisis pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Samedi, c'est loin. C'est loin. Ah bah il fait ce joujou avec Ouais, alors ça maintenant on s'en fiche, hein, parce que comme elle est au niveau 10. Il fait joujou avec son aquazip. Moi pendant ce temps-là, il mange pas. Wouh. Trop bien. Ah vache. Bien. Je l'ai perdu. Hello!
Ça aussi, c'est un sacré budget, l'animation du jet ski. Pas de l'aquazip, pardon. Du Sims, tout ça qui fait des bruits. T'as reçu un abonnement? Bah ouais, je vois ça. Bah écoute, est-ce que tu as le nom peut-être? Je ne sais pas, parce que bon, il y a eu beaucoup d'abonnements offerts ces derniers jours, j'avoue. Et on a quelqu'un qui est anonyme qui en a offert 2x15. On ne sait toujours pas qui c'est. Je pense que la personne sait très bien qu'il vaut mieux qu'elle se planque, parce que sinon, moi, je fouette. Surtout que c'était absolument random. On était en train de faire, je sais même plus. On était sur le mariage ou sur le bachelor? Non, on était sur le bachelor! On était sur le bachelor et je devais... Ah, les méduses. Ah! Elle sort de l'eau? Ah, elle est sortie de l'eau! C'est dégueulasse. Ah. C'est encore pire. Vous savez, moi, les petites tortues, ça me va, mais les méduses, c'est... Merde. Je sais plus ce que je disais. Oui, on était sur le point de faire l'élimination du deuxième groupe, et puis d'un seul coup, pouf! Ok, pas compris. Si la personne a offert en tant qu'anonyme, je dénonce pas. Non, non, je pense que t'auras pas le nom non plus. Il n'y a pas une action où il se casse la gueule de la quoi. J'avoue. Ça aurait été drôle. Parce que bon, quand ils font ça... Oula, je suis trop loin. Parce que là, ils auraient pu, hein. Oui, vous ne rêvez pas, c'est... Voilà. Hein? Quand ils sont comme ça, moi, perso, je serais pas en confiance, hein. Quelle souplesse, hein, Vlad. Quelle souplesse. Je me souviens, j'avais fait un arrêt comme ça aussi sur image avec Iowa. J'étais là, ah d'accord, ok. Très bien. C'est pas moi, j'aime trop le fouet pour pas me dénoncer. Mais elle est malade, celle-ci. Non, mais j'ai pensé tout de suite à toi quand même, hein. T'as vu ça? C'était Bachelor, ouais. Ce n'est pas moi, mais je suis pas contre le fouet, majesté. Je peux avoir le fouet, s'il vous plaît. Voilà. Soyez pas jaloux. Ah, ils sont au même niveau. Ouais, un petit peu. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, en attendant que le temps passe, hein, et les enfants vont revenir. Ah! Va falloir que tu rentres dans ta petite cabane. De toute façon, vous savez bien qu'il est résistant, ce garçon. Fantastique! Snow va pouvoir profiter de son week-end en sachant qu'il fait partie des meilleurs élèves de l'établissement lycée Buckingham. Il pourrait peut-être passer un moment à faire des devoirs permettant d'améliorer encore un peu plus ses notes. Juste au cas où. Mais non, mais... Il y a que lui qui fait... Bah, et alors, tu fais même pas tes devoirs, toi? Ouais, il est trop mal à l'aise. Tiens, t'as un lapin, rien. Tu peux admirer ton lapin. Et tu as un cheesecake SimCity, je vois pas de quoi tu... Ah oui, c'est... D'accord. Et bien, en même temps, il fait des câlins à des sacs poubelles. Je le redis, mais est-ce que c'est normal? C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Entrée chez ça. Mais t'étais où? Mais où étais-tu, ma fille? Hop, tu vas faire ça. Elle... Bah, elle mange sa salade. J'ai pas trop surveillé les filles avec leurs traits de... Ouais, bah là, on a 3, hein, donc au pire... Mais... Snow, il en a 6. Donc on a vraiment mis le paquet sur lui. Lui, il est toujours à 6. Hein. Pourquoi est-ce qu'on met... Petit pied dans l'eau, là. Petit pied dans l'eau, là. Dans l'eau, là.
Peut-être c'est Bernac. Peut-être que sac poubelle, c'est sa copine. Elle est très petite quand même. Elle tient dans la poche, c'est au moins ça. C'est un oiseau, un avion, Superman? Non, juste un guignol sur un aquazip. Kiri a réussi à recycler un objet pourvu que cela lui permet de réfréner. Je vérifie parce que... Oui, certes, il est pas là. Dans la pièce, mais on sait jamais. Ah non, il a recyclé son lapin. Ben voilà, mais c'est bien, il est content. Il a recyclé. Tiens, tu peux recycler ça si tu veux. Ouais, et ton assiette aussi. Ça, tu pourras recycler plein de choses, regardez. Hein, je lui donne plein de choses à recycler, il va être content. Ah, voilà, vous voyez, je le traite bien, ce garçon. Il envoie un texto de détresse, mais c'est pas grave. Faut pas en tenir compte. On lui a coupé, en fait, l'accès, mais il sait pas. Petite copine. Donne-lui un ballon de foot, comme ça, il nous refera le film seul au monde. Oh, il est frigane. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est le très méga chiant, parce que du coup, il recycle tout et n'importe quoi. Disciple du recyclage, c'est même pas frigane. C'est à maman qu'elle demande. Empathie, responsabilité. Oh, oui, on va faire ça. J'étais en train de me dire, elle faisait la vaisselle avec lui. Non, mais elle est toujours détresse familiale. Mais pourquoi? On va essayer de te calmer, cocotte. Retire aux toilettes. Ah, mais pareil, je pensais que tu faisais une salle pour tout le monde. Oh là là. Bah, c'est vendredi, donc c'est samedi. Et Snow vieillit après. Oh, mon biquet, ça va pas non plus, mon chat. Va courir. Pour te vider l'esprit. Et le type, il continue à faire le gogol dehors. Magnifique. T'es assis dans ton salon et tu vois ton père faire le gogol sur l'aquazip, quoi. Incroyable. Tu devrais lui mettre une fenêtre à Kiri comme ça, il aura vu sur la mer, il devrait être bien déprimé davantage. Oh, regardez comment il marche, lui. C'est trop dur la vie, d'accord. Ouais, mais t'es pas enfermé dans un KGB de 2 sur 2. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je sens que ça va venir chez nous. Je te jure, si ça rentre à la maison. Sans toquer, je hurle. Sauf qu'on connaît pas. Ouais, et puis il va remonter par là et puis il va rentrer à la maison. Non mais... Non mais... Mais c'est quoi ça? C'est un adulte? Mais dégage en fait. Mais c'est... Mais what? Ah bah, ils ont fait un patch aujourd'hui, hein. C'est le retour des randoms qui viennent squatter chez vous, quoi. Quel plaisir. J'ai toujours hésité à le mettre à mes Sims, maintenant je sais que c'est une mauvaise idée. Bah après, ça dépend, tu vois, mais ouais, il va... Si tu recycles pas régulièrement, lui, il va être stressé, ton Sims. Et il va se mettre à recycler d'un seul coup un truc random que toi, tu vas pas voir. Et bah, moi, ça a été déjà un portrait pendant le Legacy. Et là, bah, il a une photo de Cop Cop. Donc moi, ça va pas. C'est la fête du slip, on rentre comme on veut. T'as vu, c'est un moulin. Yabba. T'es américaine, toi, comment tu parles? Je parle américain. Tu parles américain? Il est où, Snow? Ah oui, il court. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des mots qui m'ont... Regardez-moi cette couleur de ciel. Ah, c'est beau. Je vais aller à Soulani pour les vacances. Ou pour la vie, je sais pas encore. Mais un château avec la plage, c'est pas trop... Il faudrait que mon château, mon manoir, il soit un peu plus dans la verdure. Et puis, au bout du terrain, c'est la mer. Avec la plage. Ouais, c'est ça. Je vais refaire ça.
Journée portes ouvertes, c'est ça. Rip Cooper. Pas de soucis, Bernice, bon app à toi. J'adore ta voix, d'accord, très bien. Je me tairai. C'est bientôt la fin du notre saut. Oh, il pute! Il pute! Il pute notre fils. Tiens, prendre un bain de mouche. Un bain de mouche. Un bain de mousse, pas un bain de mouche. Ça va être compliqué, un bain de mouche quand même. Il faudrait quelques paquets des mouches. La fatigue. Il est encore sur... Mais sérieux? Mais tu... Oui, va bosser. Par contre, il vient de me faire un looping de la mort. Il aura fait du truc toute la journée, tu sais. Tranquille. Ah, je chante bien. C'est gentil, Eb. Il y a trop de puits à Soulani? Bah, ça va, là. Il n'y a pas plu aujourd'hui encore. C'est là que je dis ça, il va y... Après, on est en été. La bonne mouche. C'est la fatigue. Elle va parler toute seule, la fatigue. Non! Moi, non, ça va, c'est toi. Parce que là, elle est en train de lui commander un conseil, je reconnais. Ah! Empathie, manière, contre les émotions, manière. Non, on va monter l'empathie. Ok. Et l'autre, elle pleure parce qu'il y a un truc qui est empaillé. Elle doit avoir enfant de l'océan, je sais plus. Ah, enfant de l'océan. Enfant de l'océan, c'est vraiment chiant quand on mange du poisson. Parce qu'elle pleure tout le temps. Et voilà, c'est vraiment chiant. Il y a des traits comme ça qui sont relous. En même temps, c'est... après, ce qui est relou aussi, c'est de mettre que des trucs positifs aux enfants. Enfin, aux Sims qu'on a. C'est bien de faire avec des trucs chiants, quoi. Des bisous d'Aylanor. Ça va être l'heure d'aller dormir, déjà. Déjà. Il est... Ah oui, presque 23h. Enfin, pourvu de t'en passer, moi. Si bonne compagnie. Eh bien... C'est bien. Tu sais que tu vas servir le dîner. Des boulettes de viande. Ah ouais, c'est bon ça. Non, c'est un petit... Un faux départ pour le lit. Comme ça, elle aura déjà fait à manger pour le lendemain. Et là, samedi, en fait, l'anniversaire de Snow. Je suis contente. C'est la fin du Dotsu Berry. La semaine prochaine, on checkera et on commencera, je pense, en gameplay. On se fera des scénarios. Il y a eu des nouveaux scénarios, on les fera. Comme ça, ça fera autre chose. On fera une petite pause, on fera un truc. Du gameplay, mais tranquille, quoi. Si ça vous va, au pire, on fera autre chose. Kleptomane, c'est rude aussi. Ah ouais. Oui, bah oui, je sais. Surtout quand tu les reçois à la maison après. Ah, il a gagné 232 Simflouz. Merci, Vladouce. Qu'est-ce qu'il a bichette? Oh, il est tendu du cul. Petit cacouneille, viens. Si tu veux, tu passes à Spi, mais il n'y a pas besoin. Ta femme va t'accueillir, les jambes ouvertes. Mince, j'avais dit qu'on pourrait essayer de faire un renouvellement pour voir si ça fonctionne. Il va faire crac-crac. On va faire un renouvellement. C'est la fin du Notre Sobéry. C'est la fin du Notre Sobéry. Nanana. Je vais prendre le pack mariage. Oh, à l'arrache. Franchement, je vais pas... On va prendre la petite allée. Voilà. Une petite arche. Ta la ta ta. On va tester. On va faire un petit renouvellement des vœux là. Aussi pour se rassurer et se dire que... Est-ce que ça fonctionne bien cette fois-ci? Avec... on va mettre ça.
Ah ouais, il nous en faudrait deux. On va faire l'anniversaire, on va faire les renouvellements, ce sera bien. On va pas faire trop, on va mettre du champ. Et après, il y aura le... Je sais pas si on a... Si on a le gâteau, on va l'acheter sur l'ordi, c'est vrai. Ta-da-da-da-da. Je sais, j'ai pas le bébé, mais vous êtes d'allumer le feu. Mais quoi? Bon, c'est moche. Allez, hop. Ça dégage, c'est pas grave, on fait ça comme ça, c'est très bien. On va mettre... des chambres d'enfants. Ta la ta ta. Bam bam bam. Les guirlandes. Non. Bon, je crois que je veux trop en faire. Ça sert à rien, on va pas se prendre la tête. Allez, hop, on se prend pas la tête. Voilà. Ok. On va se renouveler le vœu. C'est déjà prêt. On verra bien. Ça, ils vont les faire crac-crac, et puis... On va finir en apothéose. Trois scénarios nouveaux. Ouais, bah c'est pour ça. Marine, je veux dire, elle est partie. Et coucou, Alena, comment vas-tu? Merci pour ça, vous faire... Ah bah... Je ne sais plus qui... Ouais, je sais plus, parce qu'il y a tellement eu de subs offerts ces derniers jours que voilà. Sainte mère des subs. Sainte mère des subs. Simon, je gâtale, tu le finis. Ouais, c'est cela, oui. Anniversaire, renouvellement et décès de Kiri. Tout en un. Ça va faire 6 mois que tu me prends des subs. C'est très très gentil. Plus de karma positif. Non mais... Marine, elle a dépensé beaucoup trop d'argent ici déjà. Mais dors, Jacqueline! C'est pas... Dors, vas-y! Il n'y aura pas besoin d'un GG. On veut juste voir si ça fonctionne au niveau de l'allée. Voilà, on va créer un... On va prendre les filles, il y en a un qui va faire les bagues, l'autre va faire les fleurs, l'autre il va... Tu vois, on va faire ce genre de truc et puis on verra bien ce que ça fonctionne. Ça fera très bien l'affaire pour le wedding. Oui. Ça... Hey, salut Rasta, comment tu vas? Ça va, je suis fatiguée, mais ça va. J'ai combattu, j'ai eu du mal toute la journée, mais... Ou bien... Il a pas envie de recycler. Il est résistant, hein. Donc, je l'avais bien habillé et tout. En manque d'activité, style de vie dynamique. Bichette. Besoin de prendre l'air. Meurt d'envie de s'amuser. Désespéré. Ils peuvent mourir de tristesse, non? Bah non. Ils peuvent que mourir de faim. Hein. Bah tu vois, là, il fait ses devoirs. Bah voyons! Arrêtez de me regarder! Ok. Alors, les filles sont debout, les parents dorment. Snow. Aïe, aïe, aïe. Par contre, l'autre, il...
Il clignote pas non plus. Donc ça va, on a encore un peu de time. Voilà les responsables. C'est facile, ça fait plaisir. Tu peux aller faire un petit pipi. Toi aussi d'ailleurs. J'ai Titi qui s'est levé. Un petit chat. Mon Snow, faut clignoter là mon garçon. C'est toi qui nous fais finir le challenge. Hein. Quel plaisir. Ils peuvent décéder de faim et d'épuisement. Ouais, mais là, l'épuisement, c'est l'épuisement au sport, c'est pas l'épuisement de pas dormir. Je l'ai même pas vu tomber dans les pommes, en vrai. Bon, les enfants, enfin, les grands enfants, ils vont se lever, hein. Ouais, c'est bien, ils ont dormi. Ouais, c'est nickel. Tu vas manger. Toi, tu vas te prendre une jolie douche. Tu vas commander un gâtal. Ah non, oui, il faut... Attends, il faut déjà que je fasse... Je crois que c'est trop tard pour organiser aujourd'hui un truc. Ouais. C'est ça. Ah, oh, c'est pas grave. Attendez. Comment on fait? Est-ce que je peux... Ouais, je peux faire un truc événement mariage. Kiri. Martyrisé ce garçon. Martyrisé. Snow va grandir. Oh oui. On va finir vraiment. Mais il clignote pas encore. L'autre non plus, hein, mais ça remporte à des. Donc en fait, oui, donc on va le faire. Je vais commander le gâteau. Je vais commander le gâteau. Plus de choix. Comment on fait là? Commander. Ah, la pièce montée. Ah mon titi, tu veux commander la pièce montée, mon cœur? On va la prendre bleue, hein, évidemment. Bon, ça, c'est pas très joli. Ah, les fameux coussins. C'est bizarre ou c'est moi ou je vois mieux que la semaine dernière au niveau des gâteaux? J'ai l'impression que je vois mieux. Après, c'est normal, il y a eu un patch. Hein, donc... Ah, pièce montée plage. Vas-y, on va prendre celui-là. Parce qu'on est à la plage et c'est la génération bleue. Oh la vache, il y a de ces machins. Bon, il y en a qui sont pas très très reluisants. Hein, de moi, mon point de vue. Hein, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Celui-là aussi, pas mal. Pièce montée florale. Avec des roses vertes. Moi, c'est vert, quoi. On va prendre bleu. On va prendre celui-là, plage. Oui, 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 oui. Il est là, le gâteau de l'amour. Ah, il est sympa. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je sais pas si on peut... Parce que du coup, qu'on est déjà mariés. On peut pas demander... Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas lui demander. On peut pas lui dire, tiens, tu veux amener les fleurs et tout? Je pense pas que ça fonctionne. Ça. Ah non, parce qu'il faut être. On peut pas se redemander en mariage. Pourquoi j'ai fait déjà. Pourquoi je les ai mariés eux déjà? Ah, parce qu'il fallait se marier automatiquement, c'est vrai. On pouvait pas faire autrement. Ok. Bon, c'est pas grave. On va organiser les renouvellements. Peut-être que ça va se déclencher à ce niveau-là. Alors, prévoir un événement mariage. Snow? Toujours pas. Kiri clignote! Kiri clignote! Nous sommes vraiment là. Dans les minutes qui suivent, nous allons gagner ce note Soberi. Hein. Renouvellement des... Mais du coup, on les a pas demandés. Alors, première danse, porter des toasts, couper le gâteau, festin, descendre l'allée, faire des bulles. Voilà, on va faire des bulles et échanger des vœux.
On fait là, effectivement. Je sais pas si on pourra. Hein. Ça craint. On peut pas. Là, on peut pas. Les invités, on peut par contre. Et, alors, attends. Oui, on va inviter nos enfants. Alors, lui, non. Hein, parce que c'est. Il y a toujours de l'amour entre eux alors qu'ils se sont pas vus depuis. Ni l'un et Sean. Alexandre Rainbow, parce que c'est. Ouais, il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Yann. Ouais, bon, mais il n'y a pas. Et Marina. Ah, mais Marina, c'était là. Ah oui, elle s'est mariée. Ok. Bon, a priori, nous avons encore les mêmes choses. Est-ce que tu veux. Je vais tester. Hein. On peut pas demander en fait. C'est vraiment au mariage. On peut pas. On peut pas. Bon, bah c'est tant pis. Tu vas faire un gâteau pour ton fils. Cuisiner. Gâteau blanc. Pardon. J'ai failli éternuer, mais non. Tu viens faire câlin, mon bébé? Des fois, il vient sur le bar. Il vient pas sur le bar. Accession martiale. Marcel est en train de sortir son assiette et se diriger discrètement jusqu'au gâtal. Je surveille. J'ai mis des alarmes autour. Pour moi, qui que ce soit qui va. Dans un mois, je vais me retrouver dans un lieu de rêve digne de Soulani. Ah ouais, il y a 2 semaines en Californie. Tu es avec un Américain. Tu es un Américain. Tu vas devenir Américain. C'est cool, en tout cas, profites-en bien. Dans un mois? Ah oui, c'est mars. J'espère que ce sera pas trop frais pour toi, que ça devrait aller au niveau température. Un bain pour soi que de poulet. Non, c'est seulement quand elle y sera. Bon, après, elle est un peu trop jeune sur le stream pour que je la menace, tu vois. Les autres, ils ont l'habitude. Demande pas, hein. Pas de conseils, hein. Va aux toilettes, chaton. Il clignote. Putain, pas encore. Pas encore clignoté pour Snow. La 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 la. Ah bah du coup, Nila est arrivée, hein. Ça y est, on va tester. Par contre, mon chaton, je pourrais pas te garder là si on teste le renouvellement. Nous allons testamer. Tout est estamé. Testame mucho. Le gâteau d'anniversaire, il est beau, si beau que ta mère. On est prêt. Gna gna gna, les autres ont l'habitude. Non, je me sens pas visée. J'ai rien dit. Ah, dès qu'il clignote, il souffle. Dès qu'il clignote, il flouffe. Dès qu'il clignote, il flouffe les bougies. Jamie, on va avoir fini, oui. Croyez, il est greffé. Oh, greffé. Donnez-moi ça. On va finir la note sans péri. Viens, 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 note sans péri, Jamie. Eh, t'es arrivé un mercredi, hein. Un jour d'une note sans péri, toi. Ça va te faire bizarre, non? Tu t'en fous? Les bonnes petites fesses. Hein? Je le fais descendre, sinon je peux pas jouer avec mes deux mains et c'est un petit peu embêtant. Bon, alors, tout le monde se met en... Oh, merde, j'ai oublié. Ah ouais. Ben non, je pouvais pas cocher parce que c'était pas un vrai mariage. Pour, vous savez, pour les tenues. Alors, tac, tac, tac. Activité cérémonie. Veuillez vous asseoir.
Attendez, attendez, ne nous réjouissons pas tout de suite. Ah, c'est vrai qu'il manque de musique du coup. Parce que j'ai mis ça, mais il n'y a pas de musique. Et pourquoi il danse? Ils s'assoivent, évidemment, ils s'assoivent, mais bien sûr, ils s'assoivent tous, et c'est, bien sûr. Bien sûr, tenue, on va te changer ta tenue, ma cocotte. Comme eux-mêmes. On va vous changer tous vos tenues, on va vous habiller bien comme il faut, parce que renouvellement des vœux, tout ça. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Et ouais. Ça vaut le coup, hein. Changer de tenue, hop, tac. Ah, en plus, du coup, bah, on va expérimenter sa tenue de mariage. Toi, je t'ai mis ça. Nila, on va te changer aussi. Hein, pas de raison. Hein. Ah, mais félicité pour les fiançailles. Elle est fiancée? On l'avait pas mariée? Conjoint aucun... Ah, bah non, alors. Eh ben non. Nous ne l'avons pas... Elle est juste fiancée. On l'avait pas mariée. Ah mais oui, on avait galéré à le faire d'ailleurs, c'était moi qui avais fait commode, changer la tenue. Magnifique. Sachant que le reste de nos invités ne sont pas venus, bien sûr. Ça c'est pas à cause de mariage, hein. Ça fait déjà un moment que ça bug. Hein. Tu peux... Jamie, hop, tu t'en vas parce que là tu fais gogol et ça ne va pas du tout. Je ne suis pas concentrée. Activité de cérémonie, j'ai dit. Parce que là, t'en as deux qui sont quand même... ils sont en train de se chamailler. Veuillez vous asseoir, j'ai dit. Allez. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, une nouvelle fois. Oh, c'est choupi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu viens ici. Alors. Remonter à l'allée centrale, descendre à l'allée centrale. Envoyer remonter à l'allée centrale un Sims. Non, comment on fait déjà? Soit toujours on est. Jamie, va-t'en. Arrête de faire le con. Ouais, activité de cérémonie. Faire des bulles aux invités. Ah, mais t'en as quand même deux qui sont pas couchés, j'allais dire. Oh là là. Et toi, tu vas remonter à l'allée centrale. Pardon. On va déjà voir si ça marche. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous le dire. Mince, j'ai peut-être pas mis dans le bon sens. Attendez. Est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Ah si, c'est bon, c'est moi qui me suis trompée. J'ai pas mis dans le bon sens, que gogol. Mais va par là. Oh là là. Ils font pas de bulles. J'ai mis quoi à remonter? Si, des bulles? Ou ça? Non, je vois pas de bulles. Il est où, Snow? Il se débile, il est parti. C'est pas possible. C'est pas très au point, quand même, là. Ok, j'ai mis remonter, c'était descendre, en fait. Je vais descendre à l'essentiel. J'ai compris. Jamie! J'ai dit non! Voilà! Ok! Ça marche! Ah, mais arrête! Tu t'assois pas? Bon sang de bonsoir. Bon, c'est toujours un petit peu complexe, hein, j'ai l'impression. Allez vous asseoir parce qu'ils font pas de bulles, donc ça m'énerve. Et tu remontes. Et après, tu vois aussi, tu remontes. Agent 21 mousse, 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 tiens. Des bulles tire 1. Je me suis encore plantée. Putain, mais à chaque fois je fais remonter, c'est descendre qu'il faut. C'est pas possible ça. C'est compliqué leur truc. Salut Moseli, comment tu vas? C'est quoi les règles de notre sobéry? Ben, plein. On va y arriver. Hein. Nila va t'asseoir en fait. Voilà. C'est quoi déjà? Je sens que j'arrive pas à retenir. Descendre. Et là, tu vas descendre l'allée. Activité de cérémonie. Oh purée, c'est pas possible. Oh.
C'est un mariage, un renouvellement, c'est un peu complexe. Hein. Et pourquoi ils vont s'asseoir? Oh merde. Bah oui, j'ai tout fait bugger. Parce que pourquoi le machin tu peux le... Mais de où? On pouvait pas le faire ça? Pourquoi d'un seul coup ça... Mais seriously, mais... Bon, y a pas de musique. Hein. C'est beau. Quelle galère, elle se prend en place. Ah, ça y est, la musique. C'est un oui. Il en peut plus. Et salut Marie, comment tu vas? Oui, c'est beau. Oui. Génial! Oh, c'est trop mignon! Trop mignon le bisou! Oh, regardez! Elle est émue! Elle est trop cute! Remariée. Bah oui! C'est trop chaud! C'est tout beau, dit. C'est trop mignon! Pas vu parce que bah, ça marchait pas. Ah, c'est trop mignon! C'est beaucoup trop mignon! Allez, bah, ça sera l'image de fin. Hein. Ah, c'est beau. C'est beau! Les remariés sont beaux et heureux, et puis voilà! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont où? Ils vont faim? Non! Il y en a un qui veut pisser, l'autre il va. Porter un toast. Vas-y, porter un toast. Activité de cérémonie. Il est l'heure de faire des discours. Oh, ça marche un peu. Snow? Snow clignote. Ta 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 ta. Allez, souffle tes bougies. Oh ouais, non, en plein milieu de la cérémonie, je m'en fiche. Tu changeras de tenue aussi, tu t'habilleras correctement. Un petit toast. C'est pas possible, c'est Sims qui se tape dans le gâteau. C'est pas possible. Connasse! Bah oui, du gourdas, t'as coupé le gâteau avant. Putain de... Franchement, portez des toasts. No! Non! Mais ça marche pas. Hein. Il est l'heure d'ouvrir le bal. Se rassembler pour le gâteau. Ça, ce sont les piques assiettes, ça marche toujours. Hein. Mais comme elle a tapé dedans, ben, ça sert à rien. Bon, toi, c'est quand tu veux pour aller... D'accord, lui, il est bugué, tout va bien.
pendant qu'ils galèrent, tu activité de cérémonie, ouvrir le bal. Moi, je désespère. Allez, hop. On va suivre Snow et on va aller valider le Notes Sauberry. La tête dans le sable. J'en peux plus. Le Notes Sauberry va se terminer. J'espère que vous êtes prêts. Parce qu'après, c'est bonus. Hein. Voilà. Snow va nous valider ainsi. Deux ans et demi, plus que ça même, j'ai envie de dire. Snow a vieilli et il sera 1, 2 et 3. Rat de bibliothèque, parfait. Oh, inspiration terminée pour Céleste. Je vais manger ma manette. Qui est jaloux dans les trous? On aime bien prendre des coups. Putain de saut. Ah ben bravo, mon cheval fini dans l'eau. Catastrophe, c'est fini. Regardez, j'ai plus de vie. Ça, c'est pas un jeu pour les fillettes. Ça y est, là, j'en peux plus. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon, j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Quel plaisir, c'est fini. Le Notes Sauberry est terminé. C'est beau. C'est adieu. Félicitations pour la fin de ce challenge. Il était temps hein, quand même. Hein. Eh. Voilà, on finira sur un joli petit slow. Il est en magnifique tenue en plus. C'est ce gogol s'est changé, donc voilà. Bon, il y a encore des bugs pour moi au niveau de... Vadish. Oh, cool. Ah là là, il n'y a pas de festin de célébration, il n'y a pas eu coupé gâteau, échanger ses vœux, ils l'ont pas compté. C'est génial. Baiser conjugal. Bon, on peut même pas renouveler parce qu'ils l'ont déjà fait. Il va faire un baiser conjugal. Que je rigole. GG, félicitations quand même. Ah oui, comme même. Mais à chaque fois, ils vont se cogner, en fait, les Sims, ou c'est juste les miens? Ah bah, l'événement est fini, de toute façon, donc vas-y, c'est à la bonne franquette, maintenant. Bon, et bah voilà. Hein. J'ai testé, mais bon, comme c'est un renouvellement, c'est pas pareil, ce sera pas aussi sympa qu'un vrai mariage. Ça a l'air d'un peu plus fonctionner, mais à voir, à tester. Et le Notes Sauberry, c'est fini. Merci YouTube d'avoir regardé cette rediff. Bah écoutez, je sais pas du tout ce qu'il y aura à la place. Je pense pas qu'il y aura d'autres challenges live parce que ça a pas l'air de plaire du tout. En tout cas, pas en rediff brut, même si moi ça me fait moins de taf. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Au revoir Céleste, au revoir Vlad, au revoir Snow, au revoir Moza, au revoir Feta et au revoir Kiri, hein, qui finalement aura vécu jusqu'à la fin. Au revoir les Rainbows, au revoir le Notes Sauberry, et ouais, et au revoir tout plein de choses, et merci, des bisous, et ciao ciao.